J'ai beaucoup pensé aux voyageurs et je me suis dit, quand on se lève le matin, on a besoin d'espoir, etc. Et donc j'ai choisi quelques lignes de Così fan tutte que j'ai laissées en italien parce que nous sommes à Nice et qui étaient un accompagnement des désirs des voyageurs. C'est ce qui m'a donné l'idée de travailler, d'accompagner les Niçois dans leur déambulation. J'ai étiré les lettres, les textes, pour les rendre plus plastiques et pour qu'elles s'inscrivent mieux dans l'architecture. Des textes qui ressemblent à un labyrinthe et c'est aussi un peu l'avantage, c'est que si les voyageurs prennent toujours la même ligne, ils peuvent au cours des ans savoir finalement au bout d'un certain temps ce qui est énoncé.